Amis pâtissiers, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une recette super girly avec cette jolie charlotte aux framboises. Vous êtes prêts pour la recette? C'est parti. Pour le biscuit cuillère, vous aurez besoin de blanc d'œuf, de sucre semoule, de jaune d'œuf, de farine, de colorant rouge framboise et de sucre glacé. Commencez par faire monter les blancs avec une partie du sucre. Une fois mousseux, rajoutez un peu de sucre et laissez tourner le batteur 10 minutes tout en ajoutant le reste du sucre petit à petit. Lorsque vos blancs sont bien montés, versez-y les jaunes d'œufs. Pour une charlotte bien girly, versez quelques gouttes de colorant rouge framboise et mélangez à la maryse. Ajoutez la farine tout en la passant au tamis et mélangez à nouveau. Tracez deux fois le contour de votre moule à charlotte sur une feuille de papier cuisson, puis avec une règle, dessinez une bande de 10 cm de hauteur. Retournez votre feuille, puis remplissez vos disques de pâte. Dressez ensuite des petites bandes entre vos deux lignes pour créer ce qu'on appelle une cartouchière. Saupoudrez le tout de sucre glace et c'est parti pour la cuisson 10 à 15 minutes à 180 degrés. Après cuisson, découpez le contour de vos cercles d'environ 2 cm pour pouvoir placer la cartouchière dans le moule. Ébarbez également un des côtés de la cartouchière pour avoir un côté lisse. Placez-la dans le moule, puis ajoutez le premier disque de biscuit. Pour la bavaroise à la vanille, vous aurez besoin de feuilles de gélatine, de gousses de vanille, de lait, de jaune d'œuf, du sucre, de la crème liquide et de framboises. Dans une casserole, faites chauffer le lait ainsi que les graines et l'écorce d'une gousse de vanille. Pendant ce temps, hydratez votre gélatine dans un grand volume d'eau froide. Dans un cul de poule, mélangez le jaune d'œuf et le sucre énergiquement au fouet. Une fois votre lait à légère ébullition, retirez les écorces de vanille et versez-le dans le mélange œuf-sucre. Mélangez, puis faites chauffer le tout en remuant légèrement jusqu'à léger épaississement. Petit repère pour savoir si votre crème anglaise est prête, tracez un trait avec votre doigt sur votre maryse. S'il reste fixe, c'est qu'elle est cuite. Ajoutez la gélatine essorée. Versez la crème dans un récipient pour faciliter le refroidissement et réservez au frigo 15 minutes. Pendant ce temps, montez votre crème au batteur jusqu'à obtenir une chantilly. Mélangez la crème en glace vanille et la chantilly légèrement au fouet. Remplissez votre moule à moitié, ajoutez des framboises, puis recouvrez le tout avec le deuxième disque de biscuit. Finissez de remplir votre moule de bavaroise et ajoutez à nouveau des framboises pour plus de gourmandise. Faites prendre votre charlotte 4 heures au frigo. Une fois prise, démoulez-la. Puis, avant de servir, ajoutez des framboises au sommet de votre gâteau ainsi que du sucre neige pour la déco. Avec tous les fans de framboises qu'il y a chez Cerdalier, je pense que ma charlotte aux framboises ne va vraiment pas faire long feu. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles recettes. Si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici. Vous pouvez également retrouver tous les produits de la recette en cliquant sur le panier juste ici.